ma racconta una lì qua! Non me ne racconta voi! No, no qua! Ah oui, et non, et peut-être, et qu'est-ce que je sais, madame Foltobel? Foltobel! Oui, c'est ça. Au travail! Eva! Au travail! Ah oui, madame Foltobel, volontiers, madame Foltobel, qu'est-ce que vous pensez, madame Foltobel? Moi, j'aime bien travailler, madame Foltobel, c'est pas un problème pour moi, madame Foltobel. Moi, j'aime bien travailler, madame Foltobel. Eva, travaillez, pas rêver! Ah oui, madame Foltobel, volontiers, madame Foltobel, qu'est-ce que vous pensez, madame Foltobel? Moi, j'aime bien travailler, madame Foltobel, c'est pas un problème pour moi, madame Foltobel. On peut pas commencer à travailler comme ça, c'est impossible. Non. Avant de travailler, on doit penser, on doit réfléchir très 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 intelligemment. Ah oui, il y a des gens qui vont ramasser cette bouteille machinalement. Thank you.
Allez-y, Ali. C'est ici et aujourd'hui. On a trouvé notre chef. Mais comment on va le reconnaître? Ha! C'est la personne... C'est la personne qui va nous répondre sur notre salut. Salut! 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 C'est toi notre chef! Chef? Thank you.
Après trois semaines interminables dans ce désert infernal, j'ai enfin réussi. Mon mari, lui, non, celui-là. Cette nuit encore, je serai en route sur mon cheval vers Patton City. Patton City? Oui. Waouh! Je t'y attends plein d'impatience. Et emmène aussi notre aimable fille. Depuis si longtemps, j'attends le moment de vous revoir, de t'embrasser et d'aller avec vous deux. Ça, c'est pris. Thank you.
Ouvre grand les yeux, hein. On va trouver cette pomme. Mais attention, discrétion, discrétion. Thank you.
Thank you.
Hey, hey, wait!
Thank you.
Thank you.
Chemin de retour. Moi, je vais chercher un cheval. Toi, tu restes ici. Garde la pompe. Ha ha ha.
grande bande d'Indiens. Hé, une bagarre à cause d'une pomme. Un homme est mort, Johnny. Et sa femme? La femme, comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Comment? Jenny. Jenny? Mais qui arrivait ça, hein? Toi ou moi? Oui, Jenny, hein? Et sa fille, Lily, là. Oh là là, c'est uniquement rapide, ça. Ah, oh, merci. Mais ma mission a été de chercher cette pomme magique. C'est pas facile de chercher une pomme magique, hein? Où on va commencer de chercher une pomme magique? Il n'y a pas de solution. Oh!
Voilà la solution. C'est la dixième fois qu'on présente le spectacle. C'est ça. Alors restez encore un tout petit peu avec nous. Notre bar sera ouvert pour nous, pour vous et pour nous aussi. Aussi que notre stand avec les souvenirs. Là, vous trouverez également notre nouveau CD et un livre d'autres. Alors laissez-vous les notes et nous garderons un souvenir. Je donne la parole au maire de Soumo, les hommes écorcheresses et Ernest Christen. Bonsoir, merci.
Marcus et tous ses artistes pour la dixième année qui viennent présenter le spectacle. Et ils nous ont donné goût au cirque à Soubourg. Et pour y prouver qu'on a des futurs jeunes qui voudraient participer au cirque, je voudrais vous présenter un petit spectacle. Oh,
spectacle est terminé, je pense. Je ne sais pas si on a prouvé que il fait que le passage du cirque n'est pas si beau. Si on va à vos parents, on les prend avec. Vous venez une fois par année à Soubo. Hein, merci beaucoup. Pour marquer votre passage, je voudrais te remettre ici une photo du premier passage à Soubo. Et la commune a décidé de dédier pour ce 10e passage ici, de baptiser la place derrière l'école, place du Cirque Knop. Enfants ou bien encore les arrière-petits-enfants, si le cirque ne passe plus à Soubo, ce qu'on n'espère pas, mais on pourra leur dire au village de Soubo, un cirque a passé. Merci beaucoup. C'est vraiment nous. Ernest, merci beaucoup. Oui, pour le cirque Knop, c'est vraiment un... je n'ai pas prêt par laquelle il pour le cirque Knop, c'est toujours... de venir à Soubo, c'est un peu comme rentrer chez nous. Et puis, c'est la seule... je pense, le seul village qui... on connaît tous les spectateurs par le nom. Alors, on ne peut pas commencer le spectacle quand Vital n'est pas encore là. Ou quelqu'un d'autre. Alors, merci beaucoup pour l'hospitalité des 10 ans. Et on revient, je pense. C'est une place de rencontre et ça c'est avec Soubo, c'est vraiment comme ça. On se rencontre pendant 10 années et on se connaît. Et merci beaucoup aussi. Merci. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons tous. Nous approchons du deuxième point culminant de notre soirée. Vous savez ça, hein? Vous pouvez faire notre célèbre. Merci beaucoup. Thank you.
Décider. Et en plus, il a vu, il avait une brasserie. Il allait dans une brasserie pour discuter avec les gens. Il a perdu tout son argent. Il rentrait à la maison en chantant, en sautant. Il était tout heureux, sans argent et sans cheval. C'est de où? Yiddish. C'est israélien. Le Yiddish, c'est un mélange entre le juif, le hébreu et l'allemand. Ouais, parce que pour moi, c'est pas l'allemand. Ouais. Thank you.
Acapella, eh? Ramiela e menage, venga ni ga ni da gudega, io ni tofu li varatik. Me arasera lenge more giri, io svarniela lenge ele, net garibaria, ha ha. Shukaya con magico già, amaro di penni non gli ambe, futa bramiera e mena giù, venga di da mi dragudega, io di toffo li varati, mi arascerà lenghe mare ghili, io svaniera lenghe le, net garibari, ah ah, Oshukaya com magico già. Già, ustio, mache ich bei mir bald, der Rebbe geh ich euch in Tanzen bald, und als der Rebbe tanzt, tanzen mit die Wien, bläu mir alle Mächten mit die Hähn, und als der Rebbe tanzt, tanzen mit die Wien, bläu mir alle Mächten mit die Hähn. Mach nicht den Gerieder, der Rebbe geht schon in Tanzen, wie die Gönner schaff. Still, mach nicht den Gewalt, der Rebbe geht schon in Tanzen, bald. Und als der Rebbe tanzt, tanzen mit die Wien, läu mir alle Lächeln mit die Hähn. Und als der Rebbe tanzt, tanzen mit die Wien, Non, 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 non